Coucou tout le monde, ça va bien? Alors cette chevelure, on le sait que cette chevelure est magnifique parce que j'ai pris ma douche au sport. Oui, je reviens du sport. Donc voilà, j'attends qu'il sèche au naturel et après je vais travailler mieux. Là, je vais débarrasser ma table de salle à manger parce qu'ils ont mangé ce matin, il faut débarrasser. Et le fauteuil, en fait, hier quand je suis rentrée de chez ma maman, j'ai tout nettoyé. Et en rentrant, monsieur et Dragan ont fait un Lego, c'est un Lego Ferrari qu'il avait dit qu'il allait faire avec son fils. Donc du coup, il l'a fait. Dragan était très content. Samedi, ça s'est très bien passé. Samedi soir, on a passé une bonne petite soirée tranquillement. On a discuté avec le cousin, la cousine, les enfants aussi. Donc c'était agréable. Et dimanche matin, j'ai rien fait. Ah si, j'ai fait, mais des trucs d'habitude. Il faut aussi que je descende tous les caisses de Noël. Monsieur m'a dit, j'ai mal au dos. Il se fout de ma gueule. Hein. Ça pèse 2 kilos tout mouillé. Il se fout de ma gueule. Clairement, il se fout de ma gueule. Bref, du coup, il faut que je fasse ça. Et puis, la routine quotidienne, débarrasser ma lessive et tout ça. Vu qu'en bas c'est lavé, enfin à part ma chambre et le bureau, là après je vais attaquer justement ma chambre et le bureau. Dans ma chambre, j'ai pas, c'est pas énormément à faire en fait. C'est, enfin quand même, si quand même. C'est ressortir tous les linges, voir un petit peu ce que je garde, ce que je garde pas, parce que je pense que je vais trier un petit peu. Et tout remettre correctement, et puis nettoyer ma chambre et refaire mon lit. Déjà, changer les draps. Le bureau, c'est pareil, il faut que je le fasse. Donc, le bureau sera fait. Ça s'en va là après, hein, la guirlande. Il faut que je range mon bureau parce qu'à chaque fois, je m'attelle sur les autres choses. Et moi, j'ai jamais mis à faire ranger. Donc, du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Ce sera mon bureau, ma chambre. Et si j'ai fini, eh ben là, je ferai en haut. Ouais, on va faire ça. Peut-être s'arrêter, c'est bien. Les enfants mangent chez belle-maman. Tiffania m'a dit, tu peux appeler mamie me dire qu'elle fasse une pizza? D'accord. Bon, bah, du coup, ils vont manger pizza. Qu'est-ce qui va pas à mon truc? Il y a un truc qui va pas. Moi, ce midi, ce sera. Il reste des spaghettis boulettes. Et comme ça, je ne gaspille pas, je fais des spaghettis boulettes. Après, il faudra que j'aille aussi chercher des pièces de voiture. Je suis en train de regarder en même temps. Ce que j'ai à faire dans ma journée. Hein. Bon, le débarrassage, comme d'hab. Il faut que j'aille chercher des pièces pour la voiture. Donc, notamment de l'huile de voiture, d'après ce que j'ai compris. Ça, il faut que je passe à Indigo. Parce qu'Indigo a réouvert aujourd'hui. J'ai envoyé un mail pour savoir s'ils avaient leur prochaine date de formation. On verra bien. Et je ne sais plus. Je ne sais pas si je vais me maquiller aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas du tout. En fait, j'aimerais bien tout terminer, faire tout tranquille et me poser pour lire, en fait, être tranquille, tout simplement. Je sais même pas si j'ai fini ma chambre et mon bureau, je sais même pas si je vais faire l'étage. Je crois que je vais me poser tranquille. Ouais, je vais faire ça. Et par contre, il faut que monsieur me donne le numéro de l'infirmière parce que j'ai une prise de sang à faire. On va contrôler mon taux de fer, n'est-ce pas? Je suis toujours en carence. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je m'attelle à mon bordel. Et puis on se retrouve. Vous voyez le bordel? On se retrouve un peu plus tard. Bisous. Fallait que je vous montre un truc. Bande de rire. Mon chat a pris pour habitude de dormir sur mes vêtements. Et si vous voulez, en dessous dans ma garde-robe, ici, là, vous allez voir, de toute façon, ce que je suis en train de faire. Là. J'ai une panière normalement avec des vêtements que je ne mets pas plus, peut-être bientôt, et que je suis en train de trier, enfin que je vais trier, et je vais vous montrer un petit peu la catastrophe de mon chat. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Nage? Voilà. C'est cool, hein? Tout ça, c'est des poils. Donc tout ça va. Je vais frotter avec un linge humide pour récupérer le maximum, et ça va aller à la lessive. Voilà. C'est cool, hein? Vive les chats blancs. Ouais. Je désespère. Mais normalement, il devrait y avoir des. Mon mari, il m'a dit qu'il y avait des portes. Je vais lui demander quand il rentrera ce soir. Parce que s'il y a une porte, il ne pourra plus y aller. Et j'ai pensé à faire dans ma table de chevet. Je ne sais pas si je vous la montrerai aujourd'hui ou après. Bah, j'ai pas envie de vous la montrer maintenant parce qu'elle est bien, 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 bien bordélique. En fait, si vous voulez, j'ai le tiroir. En dessous, à la base, il y avait un autre tiroir
qui était cassée. Donc je l'ai enlevée, puis ça va faire un petit compartiment comme ça. J'ai envie de mettre comme un genre de plaid spécial pour mon chat. Et pour qu'il puisse aller là, en fait. En fait, il dort là pour être tranquille, pour pas que les enfants, ils l'embêtent. Parce que dans ma chambre, les enfants ne viennent quasiment pas. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Allez, à plus. Est-ce que j'ai avancé énormément? Non, pas trop, non. Par contre, je voulais vous le montrer ce matin, quand j'étais au sport, j'ai réclamé mon sac. Du coup, ça y est, je suis officiellement une basic fit woman. Yeah, dans les règles de l'art. Je ne l'ai même pas ouvert. En fait, je vous le montre parce que je vais descendre mes affaires de sport que je n'ai toujours pas descendues. Il en ramène. Oui, parce que moi, j'ai besoin d'un grand sac. Parce que vous savez, comme vous le savez bien, j'ai un gros corps. Et je me lave, moi, là-bas. Donc, il faut la serviette en conséquence. Il faut la place pour mettre mes chaussures, mes sous-vêtements de rechange. Enfin, tout ça, tout ça. Et non, ça va, il a l'air pas mal. Ouais. Niveau grandeur, ouais, ça a l'air pas mal. On essaiera ça dans la semaine. Attendez, j'essaie de bien vous reprendre. Je regarde parce que monsieur, il doit bientôt arriver, mais j'ai pas encore reçu de message. Enfin, après, il m'envoie pas toujours des messages, ce trou de balle. Pour refaire. Donc, lui, il va là. Ouais, non, j'ai quasiment pas du tout avancé. En fait, je m'éparpille trop, encore une fois. J'ai attaqué ma chambre. Écoutez, hein. J'ai attaqué ma chambre. Il y avait un truc qui devait venir dans le bureau. Du coup, j'ai attaqué le bureau. Du bureau, j'ai toujours pas mis à laver à la cave ce qu'il devait faire. J'ai vu mes affaires de sport. J'ai dit, allez hop, je vais les mettre à laver. Du coup, je vais prendre les affaires qu'il y a par terre, là, que j'allais laver. Et j'ai vu un truc dans mon. Ma brume dans mon truc de sport. J'ai dit, ah tiens, je vais aller ranger mes brumes. Ah, je vais ranger mes brumes. Un truc qui doit retourner dans ma chambre. Ah mince, ben, je vais peut-être faire ça. Du coup, c'est le bordel partout encore. L'autre, il va gorgueuler quand il va rentrer. Il va dire, mais t'as rien parlé de ta journée. Si, j'ai fait du bordel. Tout de suite, rien branlé, tout de suite. Hein, je fais du bordel. Elle est chiante. T'es chiante. Are you chiante? Yes, you are. English de fou. Voilà. Maintenant, elle se met par terre. Dis bonjour. Bonjour. Là. On dit bonjour. Là. 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 Enfin, voilà. C'est vrai? Folle. Donc, je vais aller faire ma lessive. Arrête de me sauter dessus. Tu n'as pas le droit. Descends. Descends. On ne peut pas. Voili. Voilou, petit canaillou. Bon, allez, j'y vais parce que je traîne encore. Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est mardi aujourd'hui. Non, 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 non et non. Filage. Je me suis pété mon ongle en remettant mes boutons de pantalon. Ouais. Ne me demandez pas comment j'ai fait, mais moi-même, je ne sais pas. Je me suis coincé mon doigt et voilà. Donc, ça fait j'y saigne. Je vais désinfecter tout ça. Est-ce que j'ai... Ouais. Non, c'est pas de la biceptine. J'allais mettre ça. J'allais mettre de l'insecte écran. Bébête. Enfin, je devais désinfecter ça après. Du coup, je vais faire mes autres doigts. Après-midi, je vais chez Indigo parce que je devais y aller hier, mais j'y suis pas allée. En fait, j'ai pas pris le temps d'y aller. Comme vous savez, j'ai fait n'importe quoi hier. Hein. Oups. Ça va, monsieur, il n'y a rien dit. Bon, en même temps, même s'il aurait dit quelque chose, ben, il n'y avait pas le choix. Quoi. C'était le bordel, c'était le bordel. Si vous ne le voulez pas, il le faisait lui-même. Tout simplement. Là, oui. Donc, là, ce midi, je vais peut-être chercher les nains. C'est pas sûr. Tout dépend si ma mère elle est rentrée de son rendez-vous ou pas. Morgane, pour X raisons, devait aller chez ma mère aujourd'hui. N'y va pas. Donc, je vais aller la chercher à midi et demi. Le professeur n'est pas est absent. Il est en correction de brevet blanc. Et du coup, elle viendra avec moi chez Indigo parce que je dois aller chercher des produits pour moi. Il y a une fille de l'école, une dame de l'école qui m'a fait une liste avec son enveloppe. Donc, du coup, je vais y aller. Et je suis passée chez ma copine ce matin qui m'a dit, bah, il me faudrait que si tu peux me prendre ce pot-là. Je lui ai dit, bah oui, de toute façon, j'y vais. Donc, du coup, je vais lui prendre un pot et je lui ramènerai après. Voilà. Donc, pour le moment, ici, c'est en stand-by. Le rangement est en stand-by parce que il faut à tout prix que je fasse ma main parce que sinon, je vais me retourner d'autres ongles et j'ai pas envie de me retourner d'autres ongles. Ça fait mal, quand même. Du coup, je vais faire ça en regardant des vidéos. Ça fait, non? Ouais, ça le fait. Allez, je vous dis à plus tard. Oui, oui, comment est-ce que ça? Pas de casa, t'es pas belle? Yeah. Non, elle est fatiguée, Céline. Céline, elle est fatiguée, elle n'a pas dormi beaucoup, elle s'est réveillée dans la nuit, elle n'a pas dormi pendant 3 heures d'affilée.
Et après, elle a redormi, elle a son sommeil coupé que tu veux tout. Hein? T'es une pafiasse. Pourquoi? Mon mari est parti. Elle est rentrée du coup parce qu'elle était partie faire pipi. Elle a vu que j'étais encore dans mon lit. Elle a attendu que monsieur ferme la porte. Elle m'a rejoint dans le lit. Elle n'a pas le droit. De base, elle n'a pas le droit. Bref, les enfants sont déjà punis. Bah oui, j'ai déjà gueulé. Il est 9h du matin, j'ai déjà gueulé. À 8h, ils font du skateboard dans la maison. Ils hurlent comme des ânes. Voilà, il n'en fallait pas plus. Ils ont failli péter des bouteilles. Tout ça parce qu'ils veulent jouer avec le chat, mais ils jouent avec dans les bouteilles. Pourquoi vous jouez dans les bouteilles? Bah oui, parce que les bouteilles qu'il y avait dans le bar, du coup, elles sont parties dans un coin. Ouais, c'est super esthétique en ce moment dans la maison. Moi, je suis quasiment prête. Il reste plus que la faciès à faire. Je vais le faire après en tournant une vidéo. Hier, suite après que Jésus vous ait pris, j'ai pensé encore. Mais j'ai été chercher Morgane, enfin les nains, j'ai été chercher Morgane. Les voitures ne voulaient pas bouger. Adrien en a une. Elle m'a coupé la chic. Tu me coupes la chic si t'avances. Je m'en fous. Sauf que non. Elle avait oublié qu'elle avait une pédale d'accélérateur. Au bout de 10 minutes comme ça, à attendre au stop et à laisser passer 45 voitures. J'exagère. J'ai ouvert mon carreau, je lui ai dit, t'as une pédale d'accélérateur, il n'y a pas qu'un frein. Bizarrement, elle a avancé. En même temps, je fais peur parce que avec le Dodge, là, le camion, là, les gens, quand ils voient derrière, ils ont peur quand même parce que c'est une grosse voiture et ça fait beaucoup de bruit. Hein. Après, je vais pas leur rentrer dedans. Non. Arrête de dire ça, toi, là-haut. C'est une personne dans ma tête. J'ai dit, je vais vous tourner une vidéo sur les personnes dans ma tête, hein. D'accord? On va bien rigoler. Et puis après, voilà, je suis quand même passée parce que bah, moi, j'ai forcé le passage. Les gens n'ont pas la courtoisie de la route. Moi, je suis désolée. Quand il y a du monde comme ça, quand il y a une grosse circulation, qu'est-ce qu'on fait? On m'a appris ça à l'auto-école et même dans la vie de tous les jours, quand je parle aux gens, on me dit toujours ça. Les gens ne respectent pas. Mais bon, au moins ils le disent. C'est déjà ça. C'est-à-dire que s'il y a du monde sur la route, vous laissez passer une personne et ensuite vous faites pour vous engager pour passer. C'est une. Voilà, c'est comme ça. Mais non, les gens, ils sont cons en fait. 2022, les gens sont toujours aussi cons. C'est pas de leur faute, hein? C'est juste leur cerveau. Ils ont décidé d'être débiles. C'est pas grave. Mais si j'avais su que tous les 6e, 5e et 4e terminaient en même temps, j'aurais attendu Morgane devant l'école. Elle aurait dû me le dire, en fait. C'est pas grave. Du coup, ils ont mangé au lance-pierre. Ma mère, heureusement, elle avait pris McDo. Parce que oui, je suis partie chez ma maman. Mais vu qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin, du coup, elle est rentrée assez tard. Donc, elle pouvait pas prendre les nains. Donc, du coup, elle a pris McDo. Ils ont mangé McDo au lance-pierre. Nous, on a mangé pizza au lance-pierre. Et on les a déposés avec Morgane à l'école, parce que Morgane, du coup, n'avait plus l'école après-midi. On est parti chez Indigo Nail chercher trois commandes. Donc, j'ai un pot de gel pour ma copine prothésiste, une petite commande pour une amie de l'école, et moi, une commande pour moi. Je vous la montrerai certainement dans un hall, parce que j'attends une autre commande. Donc, oui, ce sera dans un hall. Et puis voilà, donc du coup hier j'ai rien pu faire parce que le temps que j'aille chez Indigo, que je fasse mon petit tour, c'est pas grand, hein? Je vous certifie que c'est pas grand. C'est, allez, en tout et pour tout, le bas, je crois que c'est mon salon salle à manger. Donc c'est vraiment pas grand. Mais moi j'aime bien regarder toutes les couleurs, j'aime bien choisir, j'aime bien voir sur les nuances, est-ce que ça donne vraiment comme couleur parce que quand vous l'avez, vous allez voir. Quand vous l'avez là-dessus, par moment, c'est légèrement plus foncé ou légèrement plus clair sur la truc. Donc moi, je préfère voir de visu. Les prix ont augmenté en plus. Donc ça, bon, après, c'est les aléas, hein, c'est comme ça. Les prix ont augmenté. Et comment dire? Donc voilà, le temps que je fasse tout ça, je suis repartie de là-bas, il était quasiment 15h. Moi, je crois qu'il était 14h45, quelque chose comme ça. Et bah, du coup, j'ai dit à Morgane, je lui envoie un message à Tata, dis-lui qu'on va passer chez elle. Je lui ramène son pot de gel en même temps. Et on dit lui qu'on va passer chez elle et si ça ne dérange pas, qu'on reste. Hein, donc, on est arrivé là-bas. Elle s'en fout. Elle s'en fout tant qu'elle peut parler. Et puis, on parle, on parle, on parle, on papote, on papote. Voilà, c'était ça.
Et puis bon, il y avait, j'ai vu une femme que je connais, une cliente à elle, une femme que je connais. Très bien. On a encore rigolé parce que mon mari dit que c'est sa maîtresse. Alors elle rigole, elle dit, oh, pas devant ta femme. Oui, je sais, les gens pourraient rigoler comme ça et dire que c'est la vérité. Écoutez, moi je pense pas. Après, je me trompe peut-être, parce que personne n'est parfait, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, il faudrait pas que je le sache. S'il me trompe, faudrait. Non, pour lui, il faudrait pas que je le sache. J'ai fait un rêve en plus sur ça, alors. Pas qu'il me trompait avec la femme que je connais, hein, avec une inconnue que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Franchement, je l'ai sortie de mon esprit, mais en même temps, vu comment elle avait le corps d'une bimbo, mais le visage très vilain, mais quand je vous dis très vilain, c'était genre la sorcière dans la reine, là, vous savez, dans Blanche-Neige. Ouais, elle était bizarre aussi parce qu'elle avait un corps humain et une tête de dessin animé. Ouais. Enfin bref, rien n'empêche que déjà au réveil j'en ai voulu à monsieur, il s'est fait incendier. Tu m'as trompé! Qu'est-ce qu'elle a encore rêvé celle-là? Et je peux vous dire que elle a souffert. J'ai vendu ses voitures, j'ai pris mes enfants, j'ai attendu qu'ils partent travailler quand même. J'ai pris mes enfants, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai fait ça quand même en 2 heures de temps. Hein. Oui, c'est des rêves, n'oublions pas, c'est onirique. Hein. J'ai pris tous mes enfants, j'ai pris toutes mes affaires. Maquillage premier, ongles second hein, et ordinateur. Le reste, on n'a rien à péter, fauteuil, des lits et tout ça, on peut en avoir. Voilà. Et je suis partie. Je suis partie où? Dans un monde sous-marin. Bref, enfin bref, dans mon rêve, je lui faisais la misère, je lui avais tout pris dans sa vie et tout ça, bref. Passons. Et donc voilà, on a encore une fois bien rigolé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Donc du coup, ici, j'ai rien branlé. C'est-à-dire que ma chambre, c'est toujours le même stade. Bon, ça n'a pas bougé, hein, ça n'a pas plus de bordel, mais c'est pas mieux rangé. Ce que j'avais enlevé pour re-ranger, ben, c'est toujours enlevé. Et mon bureau, c'est toujours le même bordel aussi. Voilà. Il n'y a pas à chercher midi 14h, hein, parfois. Non, 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 non. Et je vais passer ma formation. J'ai des retards. J'y suis contente. Ouais, je suis contente. Franchement, je suis contente. Je pensais jamais avoir ma formation et je suis trop contente. Là, aujourd'hui, je vais donner la réservation. Des paroles, non, c'est lui qui sait pas chanter. Arrêtez. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être aller donner la compte pour réserver ma date. Tourner un full face. Essayer de tourner une autre vidéo. Faire, qu'est-ce que je dois faire? Aller chercher aussi les produits pour monsieur. Je ne suis toujours pas allée chercher son huile. Il m'en a pas réclamé un, hein, mais. Voilà, réclamer du coup. Aller chercher son huile. Ben, bien sûr, ben, comme tous les jours, la maison et principalement mon bureau et ma cuisine. Non, ma chambre. C'est le bordel dans la cuisine, c'est pour ça que je dis ça. Parce que je fais à manger, je débarrasse un minimum, mais pas complètement. Mais au fur et à mesure, ça fait gros. Mais je veux vraiment terminer au moins ma chambre. Au moins ma chambre. Mon bureau, je peux le faire. Vous savez, quand je suis ici, je regarde des vidéos et tout ça, je peux le faire. Mais au moins ma chambre. Parce que franchement, j'en ai marre, je retrouve pas bien mes draps et tout ça, donc ça va pas. Tu vas arrêter d'embêter Coca. Chiante. Et il faut que j'aille promener avec elle. Et avec les enfants, comme ça au moins, eux, ça les fatigue et ils m'embêtent pas le soir. Voilà. Ah oui, ah oui. J'ai vu un truc wonderful. Franchement, wonderful. Il y a une dame, je me connecte sur mon Facebook de YouTube, Insta et tout ça. Ah oui, je réitère, hein, ne me demandez pas trop en ami sur mon Facebook personnel. Déjà de 1, j'y vais quasiment pas. Sauf pour ma page. Et de 2, j'accepte pas, j'accepte plus de gens dessus, c'est rare. C'est rare. Je préfère me mettre là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Ça s'est fait. Bref. Et je regarde, je dis, oh, de la couture. Vous savez que je suis multi-intéressée par multiples choses et voilà, multipassionnelle, on va dire. Je vois ça, je dis,
fait un sac. Toutes de ces belles mimines cousues. Eh ben, moi aussi, je vais faire ça. Voilà. Cette année, je fais un sac. Si j'arrive à en faire plusieurs, c'est mieux. Mais cette année, je fais un sac. Et franchement, si je vois que je me dépatouille pas trop mal, je pense que je vais m'atteler à ça pour faire des cadeaux à mes sœurs. Pour Noël. Ouais, il faut pas exagérer. Hein. Je me laisse un an quand même. Eh, hein. Hey, n'exagère pas. Il faut pas pousser mimi dans les orties. Hein. Voilà. Bref. Allez, je vais vous laisser. Ah oui, il faut que je termine ma main là parce que j'ai fait celle-là. Oui, je ne vous ai pas dit. Ça, c'est ongle 24. C'est la teinte teinte Mystique Élégance. En fait, c'est un violet avec du gris dedans. Alors, peau ongle 24 en gel comme ça. Très belle couleur. Mais alors... une vraie chiasse parce que ça tombe sans, ça coule sans arrêt en dehors des peaux. Voilà. Mais franchement, ce sont des très belles couleurs en peau. Mais voilà, c'est ça qui est catastrophe. C'est que ça en fout partout à chaque fois. Et sur mes doigts, j'ai mis... Alors, j'adore la couleur. Franchement, j'adore cette couleur. Elle est trop belle. C'est dans la gamme Iron. C'est le Don't Call Me Ariel. Voilà. Elle est juste magnifique. Elle est là. Et il faut que je fasse ma deuxième main aujourd'hui. Voilà, celle-ci. Et vous voyez... Comme je vous disais, je vais chez Indigo parce que regardez, ici ça fait légèrement plus foncé. Donc, voilà. Donc moi je préfère aller dans le magasin. Tout simplement. Voilà, voilà. On se retrouve plus tard. Ouais, plus tard. Allez, bisous tout le monde. Attendez. J'ai des enfants. Ils ne doivent pas avoir la lumière à tous les étages. Je ne fais pas beau dehors. Regardez ce qu'ils font. Je me lance pas bien à la paire. Voilà. Est-ce qu'elle a la vie, sa meilleure vie? Parce que du coup, les enfants, ils sont de nouveau dehors. Ben ouais. Il fait froid, hein. Il fait froid, il pleut. Mais je leur ai dit... aujourd'hui, on débarrasse. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien d'allumé tant que c'est pas débarrassé. Bon, bizarrement, ils ont eu envie de jouer dehors. Mais je vais dire ça tous les jours, moi. Je vais dire ça tous les jours, franchement. Non, mais, hé. Oh là là. Moi, j'allais dire, j'ai l'impression d'avoir un coquard, mais non. Lui, il me casse les pieds, il aimerait bien bouffer tout ce qui se passe dans la maison. Trop du cul. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça. Bon, après, il joue. Principal. Vivement que je puisse tondre parce que là c'est le Capernaum. Ma piscine n'est toujours pas vidée, elle sera vidée certainement au printemps. Non, j'ai dit que quand il allait faire meilleur, j'allais prendre la pompe, j'allais tout mettre, j'allais tout vider. Et mon mari, lui, après, il se débrouillera pour nettoyer la piscine, clairement. Enfin voilà, bref. Là, je vais débarrasser, je vais attendre Morgane, on va manger et ensuite orthodontiste. J'avais oublié qu'elle avait l'orthodontiste. Donc orthodontiste. Et direction réserver ma formation. Voilà, voilà. Vous voyez mon doigt. Hop, vous ne le voyez plus. Allez, à tantôt. J'ai pas envie de faire, monsieur le facteur est passé. Et en fait, j'avais participé à un concours sur mon bookstagram. On va le dire comme ça. Je vous mettrai le lien du bookstagram sur qui j'ai participé. Chez qui j'ai participé. Et j'ai gagné 2 bouquins. L'auteur en commun à chaque fois c'est Geoffrey Claustrio. Alors ici nous avons un bouquin comme ceci, donc c'est sur le fantastique. Vous êtes à l'envers, je le sais, c'est pas grave, hein. C'est du coup de Geoffrey Claustrio et de Marius Claes, et c'est Claes, désolé, Cistellaria, c'est du fantastique. Je vais vous lire le synopsis, il est pas long. 19 siècles séparés, séparent Julia et Danae, rien ne les relie a priori. Danae vit à Rome en l'an 53 avant Jésus-Christ. Officiellement fille de sénateur, officieusement actrice, Julia réside à Bruxelles en 94 et ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Leurs destins vont se retrouver entremêlés par une pièce de théâtre, Cistellaria, écrite par l'auteur latin Plaut. Le sort s'acharnerait-il sur les deux femmes? Donc ça a l'air super intéressant. Et aussi, toujours de Geoffrey Claustrio et Amy Englebert. Derrière, ce qui est bien, c'est que vous avez un petit peu la bibliographie. Pas la bibliographie, mais le descriptif de l'auteur, voilà. C'est Cookland, voilà. Donc, j'aime bien déjà la première de couverture, comme ça.
Moi, j'aime bien cuisiner, hein, je cuisine encore. Alors, je m'appelle Philippe Dubouillon, je suis chef cuisinier dans un grand restaurant parisien. J'étais seule quand j'ai découvert la porte vers l'autre monde et jusqu'à présent, je n'en ai parlé à personne. Je me dois pourtant aujourd'hui de rédiger une déclaration définitive à l'intention de mon successeur pour le mettre en garde contre ce qu'il risque de trouver s'il s'aventure trop profondément dans les entrailles de cet autre univers que j'ai baptisé Cookland. Ça semble pas mal non plus. C'est des petites histoires comme ça. Écoutez, je vais me faire un plaisir de les lire. Je remercie encore une fois Geoffrey Clostrio parce qu'il fait partie aussi de ce concours. Et Estelle, je n'oublie pas. Pour ce lot, parce que c'est deux livres en un lot, je suis très contente, ça fait très plaisir toujours de recevoir des petits cadeaux comme ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller leur rendre visite sur Geoffrey Clostrio, c'est sur Facebook. Et t'abandonnes le vélo? Pourquoi? Mais c'est pas dans l'herbe qu'on réessaye de rouler. Et il pleut, il fait pas beau. Dis-lui de rentrer. Dis-lui de rentrer. Et du coup, n'hésitez pas à aller les suivre. Voilà, je pense que ça leur ferait très plaisir. Et puis voilà. Là, je suis en train de préparer mon souper et non pas mon dîner. Mon dîner, c'est du vite fait. Hein. C'est la deuxième pizza que j'avais pris hier pour eux. Donc, c'est jambon fromage. Ça, c'est pour les nains. Et Morgane, c'est les nems. Moi, je vais manger des nems avec eux. Oh, c'est pas possible, ces enfants. Bref, déchausse-toi. Donc voilà, là je vous disais, je prépare mon souper, c'est des roulades de riz au poireau. En fait, je fais comme une fondue de poireau de base, je rajoute pas de crème, pâté sweet. Et ensuite, oh, elle va se taire, elle va arrêter de hurler à la mort à chaque fois. Non, t'es pas marrante, pas du tout. Hein. T'es loin de me faire rire. En plus, t'es dégueu. Et après, je vais venir quand ce sera bien fondant. Il m'a rallumé sa cruche de merde. Oh, son prince, cochonnerie là. Toute la nuit, elle fictionnait toutes les heures et toutes les demi-heures. Bref. Oh, ça y est, il y a le brillou. Quoi? C'est à l'article de la mort? Ou pas? C'est de la terre. Non. Enlève la terre de ta main et rentre. C'est pas de la terre. C'est quoi? C'est du caca de maison. Ah, bah se le coule dehors. Rigole pas toi. Et je vous reprends. Là. C'était la fin du monde. Hein. Bref. Il n'y a rien de grave. Donc voilà. Donc une fois mes poireaux faits en fondu, je rajoute mon riz. Pas vraiment fondu en fait, il faut que ce soit encore légèrement craquant et ça va terminer de cuire quand je vais mettre mon riz et de l'eau pour que ça cuit. Et une fois que tout ça c'est cuit, je prends du jambon, je le roule dans du jambon et je fais une sauce par-dessus à la crème. Dites-moi si ça vous intéresse un jour que je vous montre comment je fais. Voilà, tout simplement. Tout ça pour tout ça. Voilà, bon. J'ai déjà lavé mes grosses casseroles, ma mère elle va pouvoir les récupérer. Je vais faire chauffer le four pour, je lave les pizzas. Et je vais continuer à faire mon petit bordel, ça je vais aller le ranger. Pour vous faire une vidéo de piles à lire. Oui, je vais vous faire ça, j'en ai beaucoup. Éteins-moi l'eau. Éteins l'eau. Une fois. Si j'entends encore l'eau couler, je vais me fâcher. Ben, je vais me fâcher quand même. Voilà, donc parce que j'ai une grosse pile à lire et j'avais envie de vous faire cette vidéo. Je la pique à Mélanie de la chaîne Mélanie. Je suis dans la chambre, je vais regarder. C'est comment sa chaîne? Attendez, je vais vous le dire. Mélanie. Mélanie Luna, voilà. Allez, je vous laisse et je continue. Le bordel, le dab. Coucou.
Non, c'est pas le midi, c'est le matin, je suis petit-déj. Certains des œufs brouillés avec du bacon, moi du concombre. On cherche pas. C'est comme ça. Je suis en train de regarder vite fait sur Sephora. Parce que... Ben, c'est les soldes, hein, comme vous pouvez le savoir. Moi, je les ai loupés hier. Franchement, ni chaud ni froid. L'année dernière, j'étais au taquet. Cette année, je sais pas. J'ai d'autres choses en tête. Et du coup, je regarde vite fait. J'ai fait une liste. J'ai fait un panier. Comme ça, je vais aller directement là-bas. Je vais aller directement là-bas avec mon panier. Et les trois quarts, ça a commandé. Donc, je commanderai. Et je paierai là-bas. J'aimerais bien aller à Basic Fit ce matin, mais ça va être chaud patate, à moins que Morgane elle garde son frère, parce que Morgane elle n'a pas école le matin. Dragan, c'est grave à l'école, donc il y a Tiffany qui a classe. Ma mère nous fait à manger pour ce midi. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'est tout. Elle est quand même censée se préparer. Elle est toujours remplie la main. Qu'est-ce que tu fais? Si ta jupe elle est pas lavée, t'as beau chercher après, elle va pas apparaître. Va déjà te laver, après tu mets un peignoir par-dessus et tu chercheras après. Mais au moins tu seras lavée. Dépêche-toi. Casse-pied. Morgane, ton bec. Voilà, donc ça, et ben, c'est tout. Pas grand-chose aujourd'hui. Je dois juste aller donner des choses à mon beau-frère et ma belle-sœur. Il faut que je demande si ça peut attendre le midi, parce que j'ai carrément zappé ce matin. Et puis, j'avais pas mon téléphone, donc j'avais oublié mon téléphone à la maison. Et comment? Comme ça, si ça peut attendre ce matin... Ce midi, moi je peux aller à Basic Fit du matin et aller d'abord à Sephora et ensuite à Basic. Ouais. Et vu que c'est grave que ma copine n'a peut-être pas mis ses enfants, je vais lui envoyer un message si j'y vais. Si je vais à Basic, je vais lui envoyer un message, savoir si elle veut y aller en même temps que moi, du matin. On verra. On verra, on verra. Bon. Sur ce, je vais pas vous garder plus parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Pour le moment. On se retrouve tout à l'heure. De meilleure humeur, Céline. Parce que là, j'ai la tête dans le pâté. La tête dans le brouillard, vous voyez, comme le temps d'aujourd'hui. Allez. À tout à l'heure. Nous sommes l'après-midi et je vous mets une vidéo en ligne. Pas maquillée encore, hein. Toujours pas prête. Le nain est toujours là, dans le bordel. Coucou. Coucou le nain. Non, fais pas cette tête. Coucou. C'est coucou. Là, il faut que je descende ça. C'est tous les trucs de Noël que monsieur ne veut pas descendre. Donc, je vais les descendre. Ah, oui, oui. Toi aussi, tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour. Bonjour, ma féfé. Oh, oui. Oui, oui. Elle voulait montrer la caméra. C'est pas un chien, c'est une gazelle. Après, ça servait pour ses papettes. Bah oui, parce qu'il fait pas toujours beau dans le nord. Aujourd'hui, on a un rayon de soleil. Ce matin, il faisait un brouillard incroyable, mais franchement hyper épais. Et il s'est dissipé et franchement, on a un super beau soleil. Super grand soleil, ça fait plaisir. Ça donne envie de faire plein de choses. Mais non. Non, toi t'es chiant. Descends. T'es chiant. J'aimerais bien aller brancher la pompe. Je ne sais pas monsieur où est-ce qu'il a mis. Je vais lui dire qu'il me la prépare ce soir, comme ça demain je brancherai la pompe. Peu importe le temps, je brancherai la pompe. Je mettrai une rallonge, vous savez, d'extérieur, là, qui peut être dehors. Et je vais faire ça parce que c'est pas possible. Donc demain je fais ça, là je descends ça. Et en même temps, je vais voir si ma lessive est finie pour la remonter. Et la journée, elle va encore passer très vite. Je vais aller chez Sephora pour finir, j'y vais pas. Écoutez, je suis en train de me poser énormément de questions sur le make-up et tout ça, parce que bah, j'aime toujours autant le make-up, hein, mais je sais pas. Là, j'ai parlé avec, on a eu une discussion avec ma mère ce midi, et une discussion très sérieuse. Donc moi je parle de tout avec ma mère, hein,
On n'a aucun tabou, même si j'ai des problèmes personnels, généralement, je lui en parle et ben, ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Et on discutait et tout ça, et ben, tout en discutant, on se rend compte parfois de certaines choses et ben, voilà quoi. On se remet en question pour beaucoup de choses. Moi, je me remets, de toute façon, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que je me remets généralement très souvent en question. Et bah, c'est pas un mal, hein. Moi, je trouve que se remettre en question, c'est un bien. Ça veut dire qu'on veut évoluer, qu'on veut avancer, et c'est comme ça. Donc là, oui, donc, je lui parlais de ma formation et je disais comme quoi bah, la formation, ça allait me permettre d'avoir quelque chose, un certificat, que même si je déménage, j'ai au moins quelque chose, je suis pas sans. Et on parlait encore du concours de professeur des écoles qui a encore changé et tout ça. Et ben voilà, je lui ai dit, écoute, je vais quand même le passer, on verra bien ce qu'il arrivera. Si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, ben c'est peut-être que c'est pas pour moi pour le moment. Je pense que je persévérerai. Parce que clairement, j'aimerais, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais déjà plus petite. Et bah, j'ai pas pris les bonnes décisions étant plus jeune. Je suis partie de chez moi à 18 ans pour un homme, pour un garçon, hein, soyons clairs. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné toutes mes études. J'ai abandonné mes études d'infirmière parce que, étant donné que ma sœur, elle partait là-dedans, je me suis dit, ouais, moi, je peux faire pareil. Je ne savais pas les démarches qu'il fallait faire pour faire professeur. Je m'y suis jamais intéressée. En fait, j'ai toujours été plongée dans tout ce qui est médical et paramédical. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Ça me plaisait, mais je suis partie pour un garçon. J'ai tout abandonné. Et suite à ça, bah après, ça a été déception, entre guillemets, déception sur déception. C'est-à-dire que bon, j'ai rencontré mon mari, c'est pas une déception, hein, loin de là. Mais après mon mari, je me suis réinscrite à l'école, je suis tombée enceinte. Enfin, je suis tombée enceinte de Morgane, je suis repartie à l'école. Mais ma grossesse a développé chez moi une empathie pour autrui hyper intense. Ce qui fait que je sortais de là, j'étais pas bien. J'ai fait un stage en psychiatrie, je me sentais persécutée et observée, et je devenais folle, hein, mais vraiment folle quand je rentrais chez moi. Surtout que j'étais en stage de psychiatrie en plein hiver, donc là où la nuit tombe très vite et du coup où les mauvaises idées viennent très vite, hein, même si j'étais pas suivie. Mais je veux dire, c'était une impression que j'avais, j'étais angoissée sans arrêt. Et donc j'ai dû arrêter, et ensuite ben, j'ai fait mes enfants, et ben, il y a toujours eu quelque chose, et je me suis rendu compte qu'en fait je me suis laissée vivre, j'ai pas fait de choix, de bon choix, et voilà, je me suis laissée aller en fait, et c'est pas bien, non, c'est pas bien. Donc on essaie de reprendre, mais reprendre sa vie à 33 ans, oui je sais, je vous avoue, hein, enfin j'ai 33 ans, enfin bientôt 34, hein. Et reprendre sa vie à 34 ans, ben c'est pas facile, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais avoir plus tard? Quand je vais être à la retraite, je vais toucher combien? Ouais, mon lit est toujours pas fait. On regarde pas. Qu'est-ce que je vais avoir plus tard comme retraite? Est-ce que je vais toujours pouvoir faire plaisir à mes enfants? Est-ce que je pourrais faire ce dont j'ai envie? Voilà, c'est toutes des questions que je me pose comme ça. C'est encore une fois très personnel. Je vous le cache pas, il y en a qui se contentent de... Qui ne veulent pas travailler, qui se contentent de ça. Et qui se contentent de peu. Voilà, c'est ça. Qui se contentent de peu. J'arriverai à me contenter de peu, mais je veux plus. Réflexion personnelle, bonjour. Nous sommes en pleine discussion. Moi, mes multiples personnalités. La vidéo, je suis en train de la faire. Bon, et puis... Ouais. Oh. Je vous dis, je vais vous en parler de mes multitudes de personnages dans mon cerveau. on va rigoler un petit peu. Elle sera peut-être pas fait en une seule fois, parce que franchement, vu le nombre de personnages que j'ai dans la tête, le temps que je les répertorie, ça risque de prendre longtemps. On verra bien ça. Donc allez, je vous laisse, parce que là j'ai ouvert la porte de la cave, le froid remonte, donc il faut que je descende tout ça. Je descends tout et on se retrouve tout à l'heure ou demain. Ça marche? Allez, bisous. Coucou tout le monde, je suis frigorifiée. Vous savez quoi? Je me suis préparée pour aller au sport. Je ne peux pas y aller. Impossibilité d'y aller ce matin. Et après-midi, j'ai pas la foi. Donc je suis habillée dans le vide. J'ai mes chevilles comme des glaçons. Je ne sais pas combien il fait.
Mais il fait moins 2. Il fait moins 2. J'ai mes chevilles comme des glaçons. J'ai l'impression de geler sur place. Heureusement que je marchais parce que je crois que je me statufiais avec le gel. Ouais. Bref. Je retourne à la maison. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Pas tout de suite parce que je crois que je vais faire une séance là tout de suite en rentrant. Étant donné que je peux pas aller au sport, je vais faire une séance vidéo. Et on verra si je survis à cette séance. Bref. Bon, allez. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Nous sommes en plein rangement de la maison. Et moi, je suis en plein tri de médicaments. Voilà. J'ai déjà trié une partie qui était là. Donc, j'ai dit, allez, je vais terminer ça avec vous. Je cherche mon trépied. C'est bon, je l'ai. Le bordel en haut, c'est Morgane que vous entendiez. Elle est en train de faire la chambre. Et moi, du coup, je vais remplir ça. En fait, ça, c'est dans une tour que je vais mettre dans ma chambre. Parce que tout ça... C'est mieux quand vous parlez pas à mes tototes ou mon ventre ou mon cul. En fait, ce sera plus sécurisé dans ma chambre parce que les enfants n'y vont pas. Enfin, les nains n'y vont pas. Morgane est assez grande pour comprendre que les médicaments, c'est dangereux. Et puis voilà. Donc ça va aller dans une étagère que je vous montrerai un peu plus tard. J'ai déjà trié un petit peu tous les médicaments qui sont plus bons ou qui sont entamés depuis un temps et que je ne peux pas, que je ne veux pas continuer à prendre parce qu'on ne sait jamais. Ça va à la pharmacie pour recyclage, tout simplement. Donc voilà, je vais continuer ça avec vous. Ça, ce sera une étagère pour nous. Donc, je vais enlever le Doliprane. Elle me saoule, ce bazar. J'enlève le Doliprane. Et ça, je vais le garder pour nous, les adultes. Et je vais en faire une pour les enfants. Comme ça, au moins, je ne me trompe pas. Je pourrai y voir plus tard. Ça, je garde le Vicks Vaporub parce que j'aime bien. C'est un truc que j'adore. Franchement, quand même vous, hein, si vous avez le nez bouché ou quoi, vous mettez ici sur votre poitrine, entre les deux poitrines, ça, c'est d'enfer. Et moi, je fais comme, en fait, vous savez, j'ai un macaron à la menthe que je viens masser ici mes tempes et mon front. Et en fait, que si j'ai pas mon macaron, que je le trouve pas, en fait, et que j'ai que ça, je le prends et pareil, je masse et ça va tout seul. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais aller le ranger. Je vais rajouter ça. Est-ce que c'est quand bon? Est-ce que ça sent encore bon? Il semblerait que ça sente encore bon. Bah écoutez, ça c'était des dupes qu'on avait à une vendeuse. C'était Lolita Lupica pour hommes.
et One Million de Paco Rabanne, je crois. Ouais, One Million de Paco Rabanne. Donc, je vais trouver une utilité. Sinon, le reste, pour le moment, c'est bon. C'est les affiches des enfants. Où les êtes? Voilà, donc là je vais aller ranger ça et je vais chercher un autre truc. Voilà. Voilà, deuxième boîte pour mettre les choses des enfants. Je voulais vous parler vite fait de tout ça. Vous connaissez certainement, c'est Antaren, c'est pour les. C'est à base d'ibuprofène, c'est pour les douleurs musculaires et tout ça. Et moi, je vais l'utiliser parce que le médecin me l'a prescrit et qu'on ne sait jamais. Enfin voilà, il expérime en 2022. Pour le moment, je le garde. Peut-être que je l'enlèverai si je vois que vraiment je m'en sers plus du tout et que mon mari ne s'en sert pas. Mon mari est exclusivement inongant. Donc voilà, au cas où. Mais moi, je vais vous parler encore d'une alternative plus naturelle. Vous savez que moi, je suis fan du naturel. Hein. Voilà, moi, ça, je vous bassine avec ça. Et bien, ça, c'est pareil. Voilà. L'arnicane frise. C'est à base de d'arnica et de menthol. Et écoutez, ça fait exactement, je trouve, le même effet que l'inongant. Ça départ par une sensation de très froide et ensuite ça vous fait très chaud et ça détend le muscle, c'est agréable. J'utilisais ça quand, même pendant mes grossesses, étant donné que c'était de l'arnica et du menthol. Certes, le menthol n'est pas trop préconisé quand on est enceinte, mais j'ai jamais eu de problème. Attention, hein, je vous dis pas de le faire si vous êtes enceinte, mais bon voilà. Et tout ce qui est, comme ils disent, contusion. Attendez. Traumatisme bénin, les contusions, les chocs, les choses comme ça, et ben moi j'utilisais ça, et pareil pour mes muscles douloureux, j'utilise ça, et franchement c'est magnifique, je vous le conseille, voilà, si vous avez envie d'essayer, c'est Arnicane Freeze Action par le froid, voilà, et ça chauffe en fait après un moment, donc voilà, je vous le dis, et puis là, hop, on va mettre, je donne un coup dedans. Enfants, donc les poux, les insectes pour les quand on va en vacances, le Doliprane, enfin voilà, le sirop phytoxyl, c'est là-dedans également. Donc voilà, ça se contente de ça pour le moment, mais ça se remplit quand même assez vite cette case parce que les enfants tombent moins malades, mais enfin des contusions et tout ça. Vous voyez là, au moins je me rends compte que j'ai plus du tout d'arnica pour s'ils ont des blessures ou quoi. Le sirop, ben, c'est ma dernière bouteille. Donc voilà, comme ça, j'y verrai beaucoup plus clair. Et ça aussi, on me l'avait prescrit pour Dragan. Je me rappelle pourquoi. Attendez. Et ça aussi, si vous ne connaissez pas, c'est très bien. C'est des pastilles. Ils vendent ça à Action en période estivale. En fait, c'est des pastilles de cette taille-là. Là, vous voyez la pastille rouge. Et en fait, c'est à la citronnelle. Vous mettez ça sur le vêtement de votre enfant pour la nuit. Moi, je mettais ça principalement pour la nuit. Et comme ça, il n'avait pas trop d'attaque de moustiques. Une tuerie. Donc ça, ça reste avec moi. Je crois même que j'en ai 2-3 d'avance et j'en rachète chaque année. Le coupon, ça va aller en haut parce que... Non, ça va aller dans une autre armoire, mais pour le moment, ça va là. Donc voilà. Je vais aller mettre ça en place. Il se casse la gueule parce qu'il n'y a rien dedans, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et le premier étage, je m'en servirai pour tout ce qui est produits corporels et tout ça que je remonterai au fur et à mesure de la cave pour avoir à dispo. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Après-midi, monsieur veut aller se promener avec Sky. Donc, on a dit qu'on allait certainement aller au niveau du canal. Morgane ne va peut-être pas venir parce qu'elle se sent pas très bien. Elle a mal à la tête, elle tousse, elle a mal au ventre. Alors, Morgane est une enfant qui est très, comment dire, un petit peu malade imaginaire. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade et qu'elle est longtemps à côté, enfin longtemps ou alors qu'on lui en parle souvent, elle est malade aussi. Je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, une fois, enfin la première fois qu'on a eu le Covid, ma mère a eu sa gorge qui grattait. Elle l'a dit, on l'a répété assez régulièrement parce que les gens, ils demandaient nos symptômes et tout ça parce qu'on avait tous des symptômes différents. 2 jours plus tard, Morgane, elle avait sa gorge qui grattait.
Le lendemain, elle n'avait plus rien. Donc voilà, je laisse comme ça aujourd'hui. On verra bien demain. Qui est pas ça? Non, je pense qu'il faut prendre les serviettes. Donc on verra bien demain. Si demain ça va pas mieux, ben voilà. Donc ça. Et puis, ben, je vous dis, c'est un petit peu le topo. Topo. Attendez. C'est encore une bac. C'est un petit peu le topo de ce qui va être fait aujourd'hui. Hier soir, on est parti manger chez des amis espagnoles. On a bien mangé. On a mangé des lasagnes. Oh. T'aurais pas aimé. Enfin, si, t'aurais aimé. Toi, elle avait mis des champignons. Alors, c'était la première fois qu'elle faisait des lasagnes. Normalement, c'est son homme qui les fait à chaque fois. Et là, il lui a dit non. Il dit tu te mets à la norme française, tu fais les lasagnes. Elle a dit d'accord. Elle a fait des lasagnes et franchement, elles étaient très bonnes. Elle avait mis des morceaux de carottes dedans, des champignons. Mon mari n'aime pas les champignons, donc il a mangé une bouchée. Il a vu le champignon, il a arrêté de manger, mais il a dit la première bouchée était très bonne. C'est psychologique, hein, il l'a dit lui-même. Va monter ça, s'il te plaît. Et sinon, franchement, elles étaient très très bonnes. Je lui ai même dit, je dis franchement, félicitations, tes lasagnes, elles sont super bonnes. Elle me dit, oh, tu peux même pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, et c'était bien. Bon, après, monsieur ne veut jamais décoller, mais moi, je lui ai dit, il y avait énormément de brouillard hier, et je lui ai dit, écoute, gros, on s'en va pas tard, parce qu'il y a beaucoup de brouillard, c'est moi qui conduis, je n'aime pas. Ça n'a pas loupé. On est parti vers minuit, minuit et demi, un mur blanc devant moi. Donc, heureusement que je connais la route parce que du coup, j'appréhende pas, je visualise un petit peu la route et du coup, je me doutais un petit peu de où passer. Il m'avait dit, prends pas l'autoroute et tout ça. Ben si, en fait, j'aurais dû prendre l'autoroute. Il me dit, ouais, mais si tu prends l'autoroute, tu vas rouler tout droit. Mais oui, mais justement, je roule tout droit, je roule pas vite, donc ça ira mieux. Tandis que là, plein de virages, il m'a fait passer dans des champs et tout. Oh là là, c'était une catastrophe. Enfin bref. Je suis rentrée, saine et sauve, avec mes deux nains. Donc, c'est déjà bien. Bon, pour le moment, c'est tout. Je vous laisse pour le moment. On se retrouvera plus tard. Et puis, c'est tout. Allez, bisous à tous. Coucou tout le monde, c'est dimanche. Journée tranquille. Clairement, journée très, très tranquille. On est parti ce matin déposer une voiture en réparation. Donc, ben voilà quoi. Et sinon, hier, on a passé une soirée avec des amis encore. Et on a mangé un burger. Ce midi, on a mangé les restes d'hamburger. Ce soir, on mange une raclette. Belle maman vient. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu particulier. Ils arrivent pas très souvent. Mais ma mère va de temps en temps chez ma soeur le week-end. Donc, du coup, on n'est pas en allant chez maman. Et en plus de ça, ma grand-mère est partie avec elle. Mais bon, voilà, ça nous fait un petit peu de bien aussi, de temps en temps. Là, les enfants sont partis se promener avec Monsieur et Sky. Ça va leur faire du bien. Sky, ça va lui faire faire un tour. Monsieur, ça va le faire marcher. Ça va peut-être lui donner l'envie d'aller se promener un peu plus. Et les enfants, ils réclamaient ça depuis une semaine qu'ils me demandaient à aller se promener. Mais la semaine, c'est pas possible. Papa, il rentre trop tard. Parce que lui, ils veulent que papa aille avec eux. La semaine, c'est pas possible. Papa, il rentre trop tard. Donc... voilà, aujourd'hui c'était l'occasion et du coup ils sont super contents. Dragan aux anges, Tiffania également. Je cherche un autre endroit pour porter. Pantoufles à Tiffania qui sont là, je ne sais pas ce qu'elles font là. Elles resteront là encore jusqu'à ce que je termine de vous parler. Voilà, donc moi je suis restée ici. Oui, je suis pas partie me promener. Je suis restée ici. Il faut que je continue un petit peu à débarrasser. Parce que les invités, les amis qui sont venus hier, on est rentrés des courses à 19h30. Ils sont arrivés 10 minutes après, j'ai tourné un petit retour de course. Je vais voir parce que franchement, c'était chaotique hier. Donc, je verrai bien comment ça va la vidéo. Si ça va, je vous la poste, certainement lundi. Si ça va pas, ben, tant pis, je la garderai. Et on fera un retour de course plus tard. Je sais que j'ai été... on m'a quémandé des retours de course. En fait, je trouve ça bien, moi, les retours de course. Parce qu'on dit, en fait, ce qu'on va faire à manger dans la semaine. Et ça donne des idées. Voilà. Ça, débarrasser un petit peu, et l'après-midi, quand tout le monde va rentrer, je vais préparer des petits saladiers avec des petits bonbons, des petits chocolats, des pop-corn, et on va se faire un petit film Harry Potter. Les enfants aiment Harry Potter, Morgane adore Harry Potter, et nous on aime bien aussi, on aime bien se replonger là-dedans, donc on va regarder ça avec eux. On a vu sur Facebook la bande-annonce du nouveau Jurassic.
On va certainement aller le voir au cinéma. Mon mari m'a dit, je kifferais aller le voir au cinéma. Et les enfants adorent tout ce qui a trait aux dinosaures. Donc, je pense qu'on va se faire ça. Et je pense même qu'après la saga Harry Potter, qui me parle, j'ai eu un coup de klaxon. Non, c'est pas pour moi. Je pense qu'après la saga Harry Potter, on va s'atteler à la petite saga Jurassic Park. Ça nous fera plaisir. On aime bien se faire des petits trucs comme ça. Et généralement, le mercredi, c'est mercredi ciné. Donc, ce sera l'après-midi avec les enfants. Et au pire, si on veut le regarder avec monsieur, on se refera ça un samedi après-midi ou un truc comme ça. Dans le genre. Donc, voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. C'est rare que je clôture comme ça et que je vous parle comme ça un dimanche, mais c'était l'occasion en fait. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve à partir de demain pour moi pour un nouveau vlog. J'espère que cette petite semaine vous aura plu. Comme je vous ai déjà dit, c'est ma vie, c'est banal. Je suis Céline, tout simplement. Une personne banale qui a une vie banale et qui vous partage un petit peu les hauts et les bas. Voilà, tout simplement. Allez, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!